Bonjour, bonjour, c'est Aegon. Bienvenue, salut, bonjour Sol. Alors attends, parce que j'essaie de régler le son un peu fort. Une fois en game, je vais tester ça. Bon, ben, je voulais prendre Neria. Ah ben, c'est saturé, j'ai pas le choix. On va pouvoir laver sur Calva. En espérant que ça fonctionne. Ah ben en plus il y a file d'attente, c'est génial. Est-ce qu'on va pouvoir jouer? C'est pas gagné. Attends. Même en étant connecté au serveur, si vous captez le personnage sur le serveur, il m'en max. On va voir combien de temps je vais devoir attendre comme co. C'est clair que la première semaine, ça va être saturé de chez saturé. Et ça se trouve, ça va faire un peu comme New World. Il y aura plein de serveurs rajoutés et après ils vont devoir en enlever. J'ai lancé pour test aussi tout à l'heure, l'accès au serveur dépend. Là, ça allait, ouais, ça dépend les heures aussi, ouais. Mais je crois que la première semaine, ça va être le bordel pour ce coup, je crois. Bon, alors j'aurais dû lancer le live quand il restait pas beaucoup de place sur le serveur, enfin le temps d'attente. Bon, j'espère que la musique n'est pas trop forte, la musique d'arrière-plan, pourtant j'ai baissé. On peut attendre. T'es tout seul sur le live. Donc tu peux attendre, ouais. Ouais. Ah non. Tous les viewers sont chez Tonton, Zoltan et tout ça. De toute façon, il y a tellement de gens qui doivent streamer le jeu que moi je suis au très fond du classement. De toute façon. Bon, ça va, ça baisse quand même. Et là, je pense qu'ils vont devoir rajouter des serveurs. Hein. Ça continue comme ça, ouais. Nombre de personnages possibles, on peut mettre 4201. Je suppose qu'à tous les serveurs, ça doit être à peu près pareil. Puis il y a combien de serveurs? Il n'y a pas 20 ou 30 serveurs déjà là? Ça fait... Ah non, ça a baissé le nombre de possibles. En plus, ça, c'est aussi ça bouge. Je suppose qu'il y a un nombre de possibles. Ah, c'est le nombre de peut-être nombre, c'est peut-être nombre de personnes possibles encore à créer en fait. Il y a encore la place pour 4162 persos à créer. En fait, non, je ne regarde jamais les gros streamers. Ah, ok. Non, mais tu peux les regarder pour les drops. Hein. Bon, après, il va y avoir la phase de création de perso. Ça va mettre encore un moment. Choisir mon perso. J'hésitais entre une spirit et une démon, voire une tireuse de loin là. Les jeux comme ça, la création de personnages, c'est tout un jeu en fait, aussi un jeu dans le jeu. Hein. Et en plus, quand on pense qu'il y a 4 ans de retard de contenu sur le jeu par rapport à la Corée.
Là, j'ai vu sur un site qu'il y avait au moins 5-6 classes encore. Encore qui sont encore et déjà en plus. J'ai dû mettre au moins 2 heures à pour te co. Ah non, 2 heures pour créer un perso. Ah, moi, je vais peut-être mettre du temps aussi. Hein. Le temps de choisir la classe, de créer le perso. Bon là je sais pas pourquoi les FPS Nvidia s'affichent pas mais bon. J'ai vu qu'on pouvait avoir 3 rerolls qu'on peut monter par tranche de 8 heures au level 50 apparemment. À un moment du jeu tu peux avoir 3 rerolls. Level 50. En espérant que le jeu ne crache pas. Attendez, j'enlève YouTube dans mon message. Vu que je stream plus sur les deux en même temps. Perso, j'ai l'impression qu'on peut en avoir 6. Oui, mais peut-être amène 3 que tu peux monter rapidement de level 50, mais après les autres, t'es obligé, tu les montes moins lentement. T'as plus le sésame pour monter 50 en fait. Il me semble. Hein. Au moins, t'as au moins, je crois, 2 sésames ou 3 sésames pour level, monter des rerolls 50, il me semble. Minimum 2, maximum 3. J'ai bien lu et bien compris, hein. À moins que ça change encore. Et vu que les serveurs sont saturés, ça se trouve, ils vont peut-être limiter ça aussi. Et là, paf, crash du jeu, tu recommences à zéro la liste d'attente. La file d'attente. Et là, en plus, il y a les serveurs américains qui doivent être moins full, qui sont en train de dormir. Quand tout le monde va jouer en même temps, là. Bien que, normalement, en Asie, logiquement, vu qu'ils sont plus tard dans la journée. Peut-être passer de l'un à l'autre en fait, ouais. Mais il risque de dépasser 1 million de joueurs connectés en même temps dans la journée. J'espère que ma voix ça va. Pas trop de grave ni trop d'aigu et tout ça. En même temps, on va voir si j'ai les drops Twitch, ils sont déjà sur mon compte. À moins qu'ils se débloquent au niveau 10 ou à un certain level, peut-être. Enfin, à ce live ou à celui-là de ce soir, hein, parce que je vais pas faire toute la journée. Allez, encore 580. Après, j'espère qu'ils vont faire les transferts de serveurs.
que je suis certain qu'il y a plein de personnes qui sont sur un serveur qui voulait pas au départ. Là aussi, ça, je sens que ça va être le beau bordel. Bon, en tout cas, sur mon personnage principal, je vais éviter de rusher. Hein. Faire les quêtes principales, quêtes secondaires, en essayant de les lire, sauf si c'est vraiment quête FedEx que t'as pas obligé vraiment de lire. Après, les activités, il y a tellement de choses à faire, oui. Tu vois, de te connaître un peu où il y a de la place. Oui. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui vont vouloir être transférés de serveur. Ça va être le bordel. Oui, voilà, beaucoup de voudront changer. Bah oui, tu m'étonnes, il y a beaucoup qui voudront changer. Et sur leurs potes ou les gens qui connaissent, ce sont notre serveur. Ou alors, s'ils sont allés sur un serveur où il n'y a pas beaucoup de Français, bah, ils vont vouloir changer. Là apparemment je suis sur un serveur d'après le site Millennium où c'est beaucoup de... Et plutôt ça parle anglais, c'est des pays de l'Est apparemment. Sur Calvasus. Moi je voulais aller sur Neria. Parce que là-bas il y avait... une streameuse qui fait peut-être un clan. Je sais pas si tu connais Morrigan, la streameuse. Elle est sur Neria et puis... Oui, de nom, ouais. Morrigan avec un 4 dans la place du A, en fait. Pareil, j'étais dans son clan... je suis toujours dans son clan de sur Destiny 2. Je voulais être sur New World, mais elle n'était pas sur le même serveur et j'avais pas de jetons pour le transfert. D'ailleurs, New World, je dois avoir quoi, 91 heures de jeu et j'étais même pas level 40. Ah, ça y est. Oula, oula. Ça, ok. Alors, attends. Alors. C'est quoi que je voulais prendre? Attends, j'étais martialiste. Il me met pas les sous-classes, non? Non, je vais être martialiste. C'est après que tu choisis la sous-classe. Non, bon, après, attends. Parce que avec la spirit, tu peux être prêt au cas qui est un peu à distance. Dextérité, défense. Aperçu avancé pour les sous-classes. Ah, ok, d'accord. C'est ça, je vais. Ah non, c'est pour voir pour plus tard, ça, pour voir. Toi, ça, je sais qu'après, on peut les tester, normalement. Bon, l'histoire, tu peux l'avoir après. Bon, alors... Mais lol. Ouais. Là, ça correspond pas vraiment à ça, là. Pas grave.
Attends, mets-toi là. Voilà. Merci. On peut pas se rapprocher de la tête. Ça, c'est pas mal. Peut-être un poil moins bronzé. Ça, c'est pas mal non plus. Ça, c'est plus en raccord, je trouve. C'est pas mal. Ouf, un peu trop blanc éclatant. Hein. Pareil, c'est un peu trop. Ah là, c'est pour le corps entier, c'est vrai. Ah, c'est juste le visage qui change. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ça aussi. Aussi mal que ça. Ça, non. Ça, c'est... Ah, vache. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. Donc, c'est ces deux-là, là. Celle-là. Ouais. Non. Peut-être celle-là, ouais. Ah non, molette, c'est le corps en fait. Le visage, ouais, c'est là. Ah non. Non. Donc c'est celui-là. Non, il m'a l'air bien le visage. La coupe de cheveux. Avec les cheveux blancs. Oh, ouais. Coupe de cheveux. Non, peut-être pas quand même. Ça fait, c'est trop gros les tresses, les gloss. Peut-être pas non plus. Y a pas la coupe avec rasé sur le côté? Si mal ça. Ah si, il a faim. Ouais, pas besoin de choisir ça. Pas validé. Ah, parce que j'ai pas fait OK. Ah oui, deux tons si je veux. Là, toi, c'est dommage qu'on voit pas plus près en fait.
Ah, ça serait spécial ça. Si normalement on peut rapprocher plus. Normalement on peut. On peut pas mettre en. Il n'y a pas de noir. Merci. Moi j'ai pas la. Voilà, j'ai. Hop, là je peux pas plus. Hein. Regarde, là je peux reculer. Mais je peux pas me rapprocher plus près. Hein. Les rides, faut les voir quand même. Des tatouages aussi. J'étais vraiment que au niveau du visage moi. Ah c'est bizarre, peut-être qu'ils ont changé, ils ont peut-être corrigé un truc, je sais pas. Parce que c'est vrai que là on voit la molette zoom. Mais voilà, je peux zoomer jusqu'à là, mais moi je peux pas aller plus près. Hein. Non, pas besoin de blush. Bizarre qu'on puisse pas rapprocher quand même. Ça, à la rigueur, c'est plus discret, ça.
Ça va, ok. Donc le tatouage est fait. Je peux les déplacer, mais c'est bien comme ça. Le maquillage est fait, les lèvres, les yeux, les sourcils. Ça c'est les taches de rousseur, je suppose. Les yeux, je les ai faits. La coupe de cheveux. Le visage est fait. Attends, le visage. En plus, je peux pas me rapprocher pour faire le truc, c'est pas évident. Le corps. Là, tu peux rien modifier de toute façon. Là, tout par défaut. Ok. Ok, ça c'est fait. C'est pas si poussé que ça. Hein. On va l'appeler comment ? Oula, oula, oula. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais, le jeu? Ça bug. Attends. Pas du tout. Ah, super. C'est quoi ce bordel? Super. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Génial. Le truc qui bug. Très bien. Il y a un truc là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas taper de caractère là? Là, je peux taper au chaud. J'ai l'impression parce que j'ai changé de la résolution. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Génial. Ouais, bah je crois que je vais devoir relancer un truc là, parce que ça déconne. Super, ça commence bien. Parce que dans le jeu, je peux pas changer. Un souci de résolution, ça. C'est quoi ce bordel à cul?
Qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Ouais, mais je crois que je vais devoir relancer un truc. Que ça déconne! En plus, comme je l'ai pas sauvegardé. Obligé de faire Alt F4. Super! C'est-à-dire que je vais devoir me refarcir. La file d'attente. Porter la queue. Eh ben pas de bol, hein. Donc le jeu, je vais le laisser en 1080. Pas le passer à tout coup dessus. Parce que là, j'utilise la fonction DSR de Nvidia pour, entre guillemets, améliorer la résolution. Mais j'ai l'impression que sur certains jeux, ça bug. Là, je pouvais rien taper. Super, dans 38 minutes de stream et j'ai rien fait, en fait, hein. En 1900, en 1080. Donc ça bug pas. Un bel écran noir. Voilà. En changeant de résolution, ça bug. Là, je vais changer la résolution et il le prend pas en compte. Ah si. Attends, oula, 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 oula. Ah non, c'est bon. Quand je clique sur aïe, il y a encore des ratés, hein.
Est-ce que ça va être la bonne? Alors, recréer le perso parce qu'il va pas sauvegarder. Dommage, on est arrivé juste au taper, il faut lui mettre le nom. Je pense pas que ça sauvegarde, j'ai pas mis, comme j'ai pas tapé le son nom et validé, ça va pas sauvegarder, ça m'étonnerait. Donc en gros, je sais ce que je vais faire. Il faudra se taper la file d'attente là. Suis bien en 1920. Au début, par défaut, il te met en 100 bords en fait. Ah là, je peux valider. Bon, ben, on est reparti, hein. Le jeu a l'air d'en vouloir la. Ah ouais, c'est clair, vu tout ce qu'il a l'air d'avoir à faire. Ok, donc. Ouf, 4000, allez, j'ai perdu. Tu perds. Il y a tellement de monde qui veulent se connecter, c'est. Mais pour une fois que je peux lancer un jeu, que le jour pratiquement du lancement. J'aimerais bien tester ce jeu-là, mais sur ma télévision. Avec Shadow, tu peux. J'aimerais bien tester. En plus, ah oui, c'est vrai qu'en plus, c'est les vacances là. Et en plus, c'est un free to play. Ah oui, d'accord, c'est vrai que c'est les vacances en France. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? 18 minutes. Nous allons lever avec précaution les limitations de création de personnages sur les serveurs afin de permettre aux nouveaux joueurs de rejoindre des serveurs qu'ils n'auraient pas pu rejoindre auparavant. Cependant, nous surveillons de près les populations des serveurs et les temps d'attente. Ces limitations de création de personnages vont donc revenir si les files d'attente commencent à augmenter. Sachez que cette liste de serveurs avec des limitations peut changer fréquemment et que vous devez relancer votre client en cas d'accès à un serveur dont la limite a été levée. Ok. Et ça, il y a 18 minutes sur le forum Lost Ark. Donc il faut peut-être commencer à lever les restrictions. Donc ça veut dire que si je crée un truc sur Calva. Il va falloir que je le recrée pas. Je ne peux pas faire ça maintenant. Et toi, n'ose même pas essayer. Il reste plus que 2000 nombres de personnages à créer.
Oui, il teste la stabilité au fur et à mesure en fonction du nombre de joueurs. Oui. Je vois ça, ouais. Mais ça se trouve, là, je vais créer mon personnage. Et puis, dans 2-3 heures, je me reconnecte. Et ça se trouve, l'Eneria sera dispo. Donc, ça m'embête un peu de toi créer un personnage là. Alors que ça se trouve, le serveur où je voulais aller, dans 2-3 heures, il est dispo. Là, il faut partir en fait, tu peux pas faire un refresh. On va essayer juste une fois. On va essayer une fois. Ça m'étonnerait. En fait, aujourd'hui, c'est le jour de lancement, c'est pas le 11 en fait. C'est vraiment aujourd'hui le jour du lancement du jeu. Et en plus, je sais pas si tu sais qu'il y a un autre jeu qui devient free to play là. Sword Online Legend ou Legend Online. Le 24, il devient free to play aussi. Voilà, Sword Hard Online ou Légende ou machin. Un truc comme ça, ouais. Sword Hard Online. C'est pas. Sword Art Légende Online, un truc dans le genre. Bon, là, vu que j'ai lancé le jeu, je peux pas aller sur Steam. C'est que je peux avec mon téléphone. Voilà, Sword of Legend Online. Bien sûr, si j'arrive à me connecter avec Steam sur mon téléphone, ça veut pas. Bon, est-ce que là. Ah non, c'est toujours impossible. Bon, bah tant pis, on va faire sur Clavius. Ouf, il reste plus beaucoup de place. Ah, c'est Sword of Legend Online, voilà. Devient gratuit parce qu'en plus il y a une nouvelle version, une nouvelle extension qui arrive le 24 et ils en profitent en même temps pour passer le jeu free to play. Est-ce que je vais arriver à me connecter avant qu'il n'y ait plus de personnages possibles? Lol. Donc tu vois 4551 personnes qui veulent se connecter et 1840 places de personnages.
51 minutes, hein. J'ai pas commencé à jouer encore. Et c'est que ça va être à devenir un live juste connexion au jeu. C'est pareil, New World au début, ah ouais, les files d'attente, ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Bon, c'est pas de bol, hein. Amazon est dans le coup les deux fois. Ça la fout un peu mal. Même là, s'ils sont juste éditeurs, ça la fout un peu mal quand même. Après, c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'engouement, mais quand même. Bah si, peut-être que si, mais je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est vrai que peut-être d'entrée ils auraient dû mettre un peu plus de serveurs en fait. Et soi-disant ils pensaient pas faire autant. Parce qu'apparemment l'éditeur lui pensait quoi 200 000 joueurs, alors qu'il y a eu 3 fois plus au moins. De joueurs. Bah, peut-être pénurie de serveurs, je sais pas. Bon, mais là, ça descend pas très vite. Hein. Par rapport à tout à l'heure, ça descendait plus rapidement. Là, j'ai l'impression que c'est l'heure que tout le monde veut se connecter. C'est mal barré. Hein. Découverte si j'arrive à me co. LOL. Je reviens tout de suite. Now it's time
to it. See the
Ben, je pense que je suis mal barré pour pouvoir arriver à Mko. Hein. J'aurais dû pas avoir ce bug, j'aurais pu créer mon personnage. Je sais même pas si ce live, je vais pas l'enlever d'après de Twitch. Il ne sert pas à grand chose. Ah oui, hé. Quand tu vois, regarde maintenant. Regarde tous les personnages, tous les serveurs où tu peux pas te créer de personnages. Il y en a de plus en plus maintenant. Il y a moins en moins de serveurs où tu peux te créer un personnage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il n'y aura même pas 20 serveurs, mais... Tous les serveurs sont saturés. Je crois que je sais même pas si je vais arriver à Mko aujourd'hui. Ouais, parce qu'après aller sur les autres serveurs Slane, Inanna là. C'est stream tentative de co. Bon, mais j'espère qu'ils vont donner une compensation. Hein. Bon, eh ben, désolé pour ce contenu tellement intéressant. Et toi, t'es connecté sur le jeu là. J'ai l'impression qu'on va arriver à zéro nombre de personnages pour pouvoir créer avant le reste en haut. Non, pas en ce moment. Je pense pas que ce live, j'ai des doutes de le mettre sur YouTube. Ça sert pas grand chose.
Ah oh, c'est dommage. Hein. Lol. Hein, tu vois pas le truc arriver là? Plus de place. Plus de personnages possibles. Putain de bug que j'ai eu là. Bon après je pourrais peut-être aller autre part tester un personnage mais ça me fait chier quoi. Ils rouvrent des places si tout est plein, ouais. Ça va pas tarder, hein. Quand tu vois que ça, ça monte, là, impossible de créer. Bon, ils pourraient offrir des packs bronze, hein. Les petits packs à 15 euros, là. Hop, compensation. Pas de bol, tu viens que sur un, quand le live, j'arrive pas à me connecter au jeu. Genre, je suppose que tous les serveurs, il doit avoir des files d'attente, pareil, de toute façon. Là. Est-ce que tu joues à Tarkov, Sol? Je l'ai pris il y a quelques jours, mais ah tu l'as acheté. Mais moi j'attends des promos sur le jeu. Parce qu'avec la TVA, il est environ à 45 euros. Normalement, il me semble que vers le 23, il y a peut-être des promos. Bah, c'est sûr qu'il n'est pas facile comme jeu. Après, surtout si tu le joues en solo. Je pense jouer hors ligne pour apprendre. Ah oui, mais c'est ce qu'il faut faire, hein, apparemment. Hors ligne pour justement où tu peux. T'as des réglages où tu peux faire. Mais des PNJ ou pas, tout ça tu peux apprendre les maps. Après t'as le wiki, hein, wiki Tarkov FR, où t'as les maps dessus. Ah tu l'as. Ouais tu l'as pris en promo ouais, sur IG ouais. Enfin en promo il est quoi à 33 euros je crois. Ouais. Et j'ai pas osé parce que j'ai peur de que la clé c'est pas bon quoi. Que ce soit une clé juste d'essai et pas une clé vraiment du jeu en fait.
Et d'habitude, j'achète aussi sur IG, mais... D'ailleurs, n'hésite pas à acheter tes jeux par mon lien. Par mon lien IG que j'ai mis dans le chat. D'acheter souvent des jeux. Ça me donnera quelques centimes à chaque fois. Aucune obligation, c'est juste un... C'est juste comme ça en fait. Ça soutient. Même si on peut pas me faire de dons, ça soutient toujours. Hein. Même si plusieurs personnes achètent mes jeux, ces jeux sont IG par mon lien, ça me fait gagner quelques centimes. Ça fait toujours une réduction sur un achat que je ferai sur IG. Hein. Toujours ça de gagner. Parce que pour l'instant, l'affiliation c'est mal barré. Hein. Bon, eh ben, hein, je crois que c'est mal barré. C'est surtout ça le nombre qui me trigger là. Parce qu'il y a plus de files d'attente que de nombre de personnages possibles. Donc je vois pas l'utilité d'avoir un plus de personnes en file d'attente que le nombre de personnages. Après, en nom de serveur, j'irais bien sur Antares. Mais c'est juste le nom qui me plaît bien. Après le reste. Dommage, j'avais un personnage sur Trixion. Un personnage, pas dans la bêta, mais... Je sais même pas si je... Ah, j'aurais pu essayer de me connecter, en fait. Ça fonctionne pas là, je vais essayer de voir sur Trixion. Parce que là, ça me met impossible de créer, mais j'avais un personnage. Ah, tu sais plus. Bah, de toute façon, le seul moyen, c'est de savoir par ça là. Sauf si t'es là et que tu mets impossible et tu te dis pas sur quel t'as créé là par contre. Là, là. Après, t'es en France, Sol, ou t'es en Belgique, ou en Suisse, ou au Québec?
Qu'est-ce qui marque là? Ah non, c'est le même message. En France. La France, monsieur, la France. Pour résoudre le problème, vous trouvez plus en détail si vous êtes compliqué. Ouais. Donjon HL et Raid HL, c'est inter-serveur. Bon, c'est déjà ça. Bien que je suis pas prêt de les faire. Ça va insulter, je pense que l'Amazon devrait bien se faire insulter. A ton avis, est-ce que je vais arriver à me coucher sur le serveur là, malgré ce qui est marqué à l'écran? Je crois que c'est quand même mal barré, hein, non? Il manquerait plus qu'il y ait un souci d'Amazon et que des gens perdent leur perso. La file d'attente baisse un peu plus vite que le nombre de personnages possible. Ah, donc ça... Hein. D'ici ça rebug. Ça ferait chier, ça. Ça m'embêterait en étant un peu plus poli. Oula. Oulala. C'est un nouveau jeu, ça. Essaye de te coup. Nouveau jeu qui vient de sortir. Avec Amazon Game. Il y en a un qui dit je suis 10 034 sur une file d'attente. Lol. 10 034. Thank you.
Suspense, suspense. J'aurais dû tester tout de suite Trixion, malgré le message là. Pour voir si mon personnage d'avant était toujours là en fait. Moi j'aurais juste le temps de créer mon personnage, peut-être faire le tuto. En espérant que dans le live de la soirée ou ce soir ou de l'après-midi, je sais pas, j'arrive à me couper plus rapidement. Et t'as pris quoi comme classe, Saul? Je sais pas si tu me l'as dit. Ah, ça y est, la file d'attente passe sous le nombre de personnages possibles. Ah, t'as pris... Y a pas de spirit homme. Là, j'ai pris martialiste, mais moi, je pense que je vais prendre spirit. Après spirit, démon, ah, j'ai plein de trucs. Ouais, mais comme sous-classe, t'as pris quoi? Et ça m'embêterait de refaire toute l'histoire avec un autre personnage en fait. Il n'y a pas de sous-classe pour martialiste. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah si, t'as martialiste et en dessous, t'as d'autres choses en dessous, non? T'as pas élémentaliste et tout ça hein? Normalement, t'as élémentaliste, essentialiste ou un truc dans le genre. Hein. Non? Ah bon? On va voir ça si j'arrive à me call. Parce que pour moi, il y a essentialiste, élémentaliste. Il y a au moins ces deux trucs-là en martialiste. Ah si, finalement, ouais, je pense que je vais arriver à avoir une place. Normalement. S'il n'y a pas de bug. Oh la vache, 1h30 pratiquement. Et c'est là qu'en plein création de personnage, le serveur me dit « Ah ben non, trop tard, t'as pas validé à temps. » Ah, 9. Enfin, ah ben bordel de cul. Ah oui, martialiste homme là. Ah oui, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est essentialiste. T'as que essentialiste en homme. J'ai rien dit. Ah si, t'as. D'accord, j'ai rien dit. Bon. Mais là on peut pas choisir encore de toute façon. Attends, je prends ça ou pas? Oh là, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Il y a aussi démon. Enfin, tout d'assassin là. Bon, je pense que bon, allez. Hop, alors dépêche-toi. C'était quoi? C'était ça. Avec... on n'avait pas touché. Les cheveux. C'était ça.
couleur. Hein? Ça, ça. On avait choisi couleur des yeux. Ah ben là je peux me rapprocher. Bizarre, tout à l'heure je pouvais pas. L'iris était un peu grande en fait. Tatouage, on avait choisi. Non, c'est pas ça. Hein? Ça, la voix. C'était celle-là. Voilà. Ah, y avait sans doute un bug, ouais. Alors, maquillage. Cheveux. Donc là, jusqu'à là, c'est bon. Ok. Est-ce que je peux choisir, c'est bon ou pas? Oui. Est-ce que ça passe, ça? Est déjà utilisé, ça m'aurait étonné. Ok. Ah ben j'ai enfin réussi à créer mon perso. Ah, ok. Ah oui, on a droit donc 6 persos. Ouais. Non, toi là. Pourquoi il y a marqué Trixion là? Je suis pas sur Trixion. Pourquoi c'est marqué Trixion? Hein? Pourquoi c'est marqué Trixion? Personnage principal dans le contenu d'expédition.
C'est bizarre ça, non? Clavier AZERTY, d'accord. AZER, d'accord. Mode parfait, faute surtout sensible, non? C'est bon. Bizarre. Le nom de la zone de départ. Ah oui, d'accord. Ah oui, la zone de départ, ok. Eh ben bordel. 1h30. Moi, finalement, j'étais rapide pour la création de personnages. L'Anik est la terre de nombreux martialistes. Mais seuls ceux qui réussissent les épreuves du gardien peuvent prétendre au titre de grand maître. L'épreuve du grand maître commence maintenant. J'espère que le son est pas trop fort. Représente ta maison et prouve ta valeur. Ça a l'air minable! Avec mes pouvoirs, tu deviendras le grand maître en un instant. J'exige un deuxième essai! Vous allez voir! Maintenant, utilise mon irrésistible désir pour vaincre les gardiens. Ton adversaire Odon est tombé dans le piège de la démone. Il a déshonoré l'épreuve sacrée et mis les gardiens en colère. Il n'existe aucun raccourci vers le pouvoir. Seul le travail et la discipline permettent d'y parvenir. Des qualités dont tu as déjà largement fait preuve. Tu as démontré que tu étais digne du titre de grand maître. Mon enfant, tu es désormais le champion des gardiens. Sois le rayon de lumière perçant la pénombre. La véritable épreuve commence maintenant. Le destin t'appelle. Je vous attendais. Le destin vous a mené ici. Ça fait penser à FF14. Le début. Ok, donc c'est là qu'on peut choisir. Bienvenue à la frontière du monde. Trixion. Maintenant, suivez la voie de la lumière. Je vois la lumière, je vois la lumière. Les forces du chaos se déplacent à nouveau. Il faut que les Arches sauvent de nouveau le monde des démons. Consultez le livre prophétique. Il vous montrera la voie de votre destin. Interagir avec les objets G. C'est là qu'on choisit ça. Se battre en utilisant une mystérieuse focalisation. Puis se battre en utilisant des gantelets lourds. Après accumuler de l'énergie, utilisez W pour activer l'intransigeance jusqu'au niveau 3. Attends, attaque de base. Clic droit.
Ah, on peut pas se tourner, c'est dommage. Donc en fait, il te montre dans quel ordre il faudrait mettre les... En 20 secondes. Ah non, 12 secondes. 9. Pas tout à fait dans l'ordre en fait. 9, 12, 8. La gaffe serait plutôt mettre A. AR. ARZ pour mettre dans l'ordre des temps de recharge. Point venimeux. Mmh. Ça, ça fait un petit dash en avant. Ça, c'est pareil. Les deux, ils font des dashs. Ça va avoir un petit bonimeur. On dirait que ça tire, mais tu recules un peu en arrière. Ça, c'est un rayon de lumière. Là, c'est un Kamehameha. Basculer entre les astuces relatives au J ou JCE. Destruction partielle niveau 1, type d'attaque, attaque dans le dos. Super armure immunité à la paralysie. Donc quand j'utilise ça, je peux pas être paralysé ça. Là c'est pareil. Contre-attaque, oui. Là c'est attaque frontale et ça c'est attaque de dos. 4 mètres pour fusion, vous frappez les ennemis avec vos pommes imprégnées d'énergie. 2 fois 66 de dégâts. Oh, t'auras pu. Ouais, d'accord. Dernier coup qui a fait. Inflige 100% de dégâts supplémentaires aux ennemis aériens. C'est que j'ai. C'est pareil, j'ai super armé contre la paralysie. En direction du curseur, vous infligez 131. Qui suivent pour utiliser la compétence 2 fois de plus. Mais entre parties, temps de recharge augmente de 4 secondes et la consommation de 2. Là, j'avance de. Là, je dépasse en avant sur le curseur. Là, c'est pareil. J'avance de 2 mètres. Suivi d'un coup de pied droit et d'un arrêt du poing qui a fait. Vous pouvez changer la direction de l'attaque entre chaque coup. Faible disgrip. Ah, pareil, c'est attaque dans le dos aussi. Attends. Là, c'est pareil. J'ai 2 attaques dans le dos. Attaque frontale. Ça doit être. Là c'est pareil, attaque dans le dos, frontal, là, ça marque pas. Mmh. De toute façon, pas mal les attaques. Mmh. De toute façon, on va les avoir petit à petit, donc là c'est niveau 2. Z, c'est une... Ils disent une attaque dans le dos. Mais est-ce que tu... Est-ce qu'en appuyant sur Z, je passe dans le dos du PNJ? Donc ça, c'est W. Attends. Accumule d'énergie, appuie sur 1 pour activer la chance jusqu'au niveau 3. Je suppose que ça, ça me donne... Temps de recharge, 25 ans. Ok, donc quand j'ai intransigeance, j'ai vitesse d'attaque 15% de plus et j'ai 60% de dégâts en plus. Ah!
Ça les paralyse, tu tapes dessus. D'accord, je laisse appuyer. Apprenez à les utiliser quand même, hein, les attaques. Parce qu'après, ce que je comprends pas, c'est les attaques dans le dos, en fait. Ned. La compétence te dit attaque dans le dos, mais t'as pas d'attaque dans le dos. Mais... Ah ben si, on peut les changer de place. Si je les mets par temps de recharge 8, 9... Là ça va, c'est dans l'ordre, c'est là. Là, quand je fais ça, par contre, c'est... Attends. Il y a un combo à faire avec ça. Ça semble dur car ils mettent toutes les attaques dès le début, mais on doit s'habituer vite, je pense. Ouais, ouais, tout... Je pense qu'au fur et à mesure, oui. Par contre, toi, quand j'utilise D, je peux plus utiliser les autres... D, ça me fait quelque chose, D. Vous tirez de l'énergie devant vous, et puis pour projeter à nouveau vos épaules, vous tirez un plus puissant. Accession partielle niveau 2, super armure. Mais par contre, quand j'utilise ça, ça me bloque tout le reste. Et là, halt, bascule. Ça veut pas dire que t'as un combo, le petit signe là. Un combo avec un truc. 9 secondes, 12 secondes. D'accord.
j'ai eu le temps d'utiliser tout ça jusqu'à D. Avant que A redevienne machin. Mais D, ça me bloque les trucs. Mm-hmm. Après, t'as l'attaque de base quand tu tes pouvoirs se rechargent. Oui, oui. Et que tu peux pas attendre. Que toi, les petits signes là, ça sans doute ça veut dire quelque chose, ces petits signes. Donc D, hein. Pareil, quand j'arrive à D, ah non, du con. Il me dit pourquoi le truc, parce que j'ai plus d'énergie. C'est pour ça que je peux pas enchaîner sur 7 coups d'affilée en fait. J'ai plus d'énergie. Ok, ouais, bon. On va prendre quand même, hein. Ouais, t'as attaque de boss quand tu... Mmh. Quelle heure il est là? 1h48. Moi, je vais prendre Spirit, hein. Ok. Là, t'as un petit truc à côté, là. Conciliateur universel, au fait terminé. Mélancolique, au fait, ça, là. Ça doit être le truc qui te cumule. T'accumule l'énergie. Non, pas, ah, viens ici. Que Régulus bénisse la voie que vous avez choisie. Ouais. Et vous êtes un mécan en puissance. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis l'audio jusqu'au bout. Mais n'ayez crainte, mon enfant, l'avenir n'est pas encore décidé. Suivez votre destin. Alors, on va essayer. Alors, par contre, ils n'ont pas mis un genre de loot dans la zone de départ. Tu vois, puis quand tu vois une porte ici, là, il y aura sans doute peut-être un hub, un genre de hub, non? Ce ne sera que le premier pas dans votre grande quête de l'Arche. Le futur d'Arcésia se trouve entre vos mains. La lumière du monde ne doit pas sombrer dans le chaos. Ah oui, c'est vrai, la fameuse cinématique. Hein ? Le pilier de lumière. Nous ferions bien d'y aller. Hein? Quoi? Aller où? Retrouver de vieux amis. Allons-y. Après une attente de 500 ans, les étoiles du destin... Les étoiles de quoi qui font quoi? Reviens, vieux fou! Reviens! Ouais, elle met la pression. Bon, je vais peut-être faire le tuto jusqu'à la première ville, peut-être. Je verrai donc peut-être vraiment commencer dans la... Je vais voir ça. J'avais fait la bêta jusqu'à la, ville, gars, la première ville. Réveillez-vous, on y est. Ah, fais voir ta démarche, c'est toujours pareil. Ouais, c'est un... Hein, un peu trop, non? Ah, ça a pas changé, ça. Prochain arrêt, Trua, la terre oubliée.
point rapide. Tortue au fait terminée. Ah bon, sagesse 2. D'accord. Allez, prenez vos affaires. Fierbourg est au prochain arrêt. Ne descendez pas tout de suite, s'il vous plaît. Ah, oh, je vois. Très bien. Nous partirons dès qu'ils seront descendus. Allez, en avant. Vous voilà. Vous voilà enfin. Ok. Obtenir un total de récompense d'événements de connexion. Ok, même pour ce jeu-là, il y a ça. Un haut fait déjà. D'accord. Ah si, je dois. J'ai déjà 6 6 machins déjà. Dans 8 secondes, 9 secondes, 8. Ah c'est 12. Ah ils ont mis 3 de 12 secondes après. Là c'est attaque dans le dos. J'ai toujours pas compris pourquoi attaque dans le dos. Alors que t'attaques de face. Niveau 101 d'expédition. Attends, j'aurais pu... Par le biais de diverses activités, ok. Ça me dit pas ce que ça veut dire, expédition. C'est pas les donjons. Ah, peut-être les donjons, ouais. Là, je sais pas, toi, tous les persos, l'exposition. Force. Non, mais tu sais, ils pourraient mettre un truc, ce que ça veut dire, en fait. Moi, je serais bien à un moment ou un autre, mais c'est pas grave. Ah. On peut pas les voir. Les familiers, les réserves. C'est pour trier, ok. Objet de collection, journal de quête. Guide, codex, familier. Faut que je regarde tout ça. Hein. Si je fais ça. Voilà. Expédition, personnage, aventure, guide. Ah ouais, ça va avoir la même chose, mais un peu plus détaillé. Attends. Ah là, oui. Là, t'as accès à part par là. On verra si j'affiche les noms. Moi, on peut jouer, même jouer à la manette en plus. Attends. Ok. Hey, vous là, venez un peu par ici. On dirait que le voyage a été difficile.
Même si les marins ont fait plus sympa. Bien, ce qui compte, c'est que vous pouvez y arriver en un seul morceau. Il est revenu de vous d'explorer les gens, hein. Mais méfiez-vous des. Ouais, des gens qui ont un couteau dans le dos. Un choix d'armes intéressant, très singulier. Allez, prenez, c'est son. Pour l'expédition de tout là. D'accord. Ceci devrait vous servir rapidement. Utilisez les équipements depuis l'inventaire. Attends, halt. Ok, équipé, d'accord. Focalisateur de l'aventurier. Vous me plaisez. Je vois à votre regard que vous êtes faite pour ce travail. Les syndicatistes sont rares dans la théorie. Ils n'ont pas eu les moyens de financer les doublages jusqu'au bout, en fait. En fait, Escape n'est pas trop mal, alors j'imagine que le trésor est colossal. Vous savez quelque chose de ce sujet? Que veux-tu dire? Jerkam m'a informé de toute l'histoire. Il paraît qu'un prêtre de l'ordre de Saka a offert une énorme récompense à quiconque l'aiderait à trouver un trésor caché à Trua. Une guerre a été livrée ici autrefois. Qu'est-ce que c'était? Non, oh, regardez-le. À l'aide! À l'aide, aventurière! C'était le mini-carb, vérifiez l'emplacement de l'objectif de quête. Écarte dans le coin supérieur. Pouvez-vous m'apporter un peu d'eau? Merci beaucoup. De l'eau! Que le mal de mer pour arrêter les filles. Et on sait qui c'est le mec, hein, en fait, qui se cache derrière. Ça va avoir raison. De toute façon, là, t'as pas le choix. Morpheus, prêtre de la. Ouais, tu étais aussi dans. Dans Matrix, non? Sur l'ancienne cité de Trua. Trésor. Pas de moi d'éclairer votre lanterne. Avant que la rime ne se rende en otage, que d'autres gens arrivent. D'accord. Allez, allez, rassemblez-vous. Ah, par contre, je veux diriger comme ça là. Pas évident, en fait. D'accord, tu peux pas te déplacer, en fait. Où t'as ça? Ouais, où t'as ça? Accélérez! Du nerf! Je suis le capitaine de cette expédition à Trua. Appelez-moi Zerka.
D'accord, Zerka. Appuyez sur tab pour accéder à tout moment à votre carte. Consultez la carte le plus souvent possible. Le groupe d'éclaireurs a annoncé avoir terminé d'explorer la zone, sans rien trouver de particulier. Quelle perte de temps. D'accord. Capitaine, des trolls ont envahi le camp. Oh, bon sang. Réveillez-vous et prenez vos armes. Les textures, par contre... On va tuer quelques trolls. Avance, vas-y. Non, tu peux avancer. Faites vite! Défendez le campement! D'où est-ce que viennent tous ces trolls? Anéantissez-les tous! N'importe Nawak. Mais bon. Attends. Je fonce droit, je tire un truc devant moi. Là pareil, je tire un truc devant moi sans bouger. Là pareil, je fais un bond par contre. J'avance. Et là, par contre, je recule pour esquiver et pointer devant mon doigt. Avec S. Bon, machin. Tous ces efforts pour rien. Oui, bien sûr. Pas de doute, hein. Écoutez, vous me faites peur, là, hein. Vous pourriez poser ce couteau, s'il vous plaît. J'ai pas d'arme, monsieur. Vous pouvez m'aider, ouais.
Hey, ne vous occupez pas du prêtre, quelqu'un d'autre s'en chargera. Avec Zerka. Fouillons les environs. Ça ne va assurément pas être... Merci. Ce n'est pas une blessure grave. Quand est-ce qu'on va finir par trouver ce trésor ? Inspection de la tente. J'ai chopé quoi, là ? Je ne sais pas ce que j'ai chopé. On peut quand même pas. Je crois que pour ces gens, cette expédition il est déjà trop tard. Encore passer ici. Voir ce qui va suivre, mais pas dans la vie, tout comme. Voici une potion de PV en provenant de l'ordre utilisé en cas de danger. La jauge rouge en bas de votre écran indique vos PV. Ah non, j'avais pas deviné. Les PV pourraient plutôt se... Je vais faire... Je vais la mettre en place dans le passant de la poussi F1 pour pouvoir... En cas d'urgence. J'ai déjà donné la potion à certains d'entre eux. D'accord. Et oui. Merci. Ah non, je dois attendre. Le trésor est important, mais s'en sortir vivant, c'est ça qui compte vraiment. Faites bon usage de cette potion. Les combattants se combattent. Donc, se servent les entourés pendant les combats. Chacun son style, mis dans sa classe ou ses préférences. Il n'y a pas de consulter cas compétences de combat disponibles aussi souvent que possible. Vas-y, explique-moi. D'accord. Vous pourrez gérer l'arbre. Vos compétences à votre style de combat, d'accord. D'accord. Tout ça que je pourrais débloquer, d'accord. Le pré-réglage. Là, c'est les points que tu peux mettre. Nous ignorons ce qui va se passer, alors autant nous préparer au pire. De grand pouvoir, la plupart des gens croient qu'il s'agit d'un mythe. Peut-être que nous recherchons pour mettre un indice pour trouver l'arche. Par ici! Tout le monde en place! On va transpercer la barrière et avancer! Allez, montez! On va descendre la rivière. On dit que les ruines de Trua sont protégées par les dieux. Entre les pièges et les plafonds qui s'effondrent, il faut être prudent. Oh, ces statues gigantesques ont été construites à l'image des dieux. C'est...
C'est Régulus en personne qui a créé l'Arche, la lumière éternelle de la création. L'Arche renferme un immense pouvoir. Le pouvoir de création et le pouvoir de destruction. Le pouvoir d'un dieu. Si seulement on savait où elle se trouve. Hé hey. Dommage pour les textures du bateau, là. Vous allez bavarder toute la journée ou quoi? Il a raison, on devrait se faire discret. Regardez, on a réussi. Cet endroit n'est pas normal du tout. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Suivez-moi et regardez où vous mettez les pieds. L'avenir appartient à... Hé hey, halte là. Alors attends... Est-ce qu'il y a une... navigation haute... Il n'y a pas une touche d'esquive hein. Pas de touche d'esquive dans le jeu. On peut pas esquiver si tu... Faut juste bouger tout le temps. Apparemment, je vois pas. Là, tu peux sauter. Y a pas de loot. C'est encore ces maudits trolls. On va forcer le passage. Préparez-vous au combat. Sécurisez la retraite. Tous aux abris. Je compte sur vous. J'arrive pas à y croire. Vous avez détruit le pont. Et que vont devenir ceux qui sont piégés de l'autre côté? La clique gauche, attends. Cessez de pleurnicher. Vous comptiez y rester. Cuisez. C'était inévitable. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression de faire n'importe quoi avec les compétences, mais bon. C'est pas grave. Du moment qu'on meurt pas. Soulagement, vous alliez bien. Ah,
pas ça que je vais faire, attends. Ah non, l'esquive. Attends. Elle se recharge. Elle se recharge où, esquive? On voit où qu'elle se recharge. On est pas. En fait, c'est un dash en avant, en fait. J'ai plein de machins là. On va voir ça après. On va garder ça après le prologue en fait. J'ai simplement pris une décision rationnelle pour sauver tout le monde. J'ai survécu, non? Bon, alors continue. Ouais, c'est... On dirait l'entrée de la ville. Mais le passage est bloqué. Attends, j'ai... Dégâts. Attends, on a un... Point venimeux. Dégâts, d'accord. Puis... Les dégâts, mais en attirant les ennemis à moi. D'empoisonner les ennemis, toucher pendant 3... Allez, j'ai 30% de chance. Donc je ne peux pas les empoisonner tout le temps en fait. Ça, ça envoie des rayons, d'accord. Là par contre, ça fait un bond en avant. Bon, attire les ennemis à proximité pour l'objet. Donc ça, en fait, faut mieux l'utiliser quand il y a un groupe, quoi. Et relevez votre pompe pour propulser les ennemis à tirer en l'air et l'appuyer. Ah, quand il y a un pack, en fait. Ça, ça serait bien contre les ennemis aériens, ça. Il n'y avait pas un autre truc aérien, non, hein? Attends, là, je fonce en avant, je fonce deux fois en avant, en fait. Il faut arriver à retenir tout ça quand même. Allez, on va lire ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce que ça dit? En cas de doute, on fait tout sauter! Une fois que vous l'aurez posé, courez le plus vite possible. Cette bombe explose au quart de tour, j'espère que ça va aller. Voilà, bombe posée, tu la poses comment? Oui, j'ai. Ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chose. Hein. Non, rien n'y fait. Bon sang, cette pierre bougera pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer autre part?
Le passage, regardez, il est ouvert. C'est ouvert. Non, qu'est-ce que c'est? Les meilleurs vivres sont apparus et ont ouvert la porte. La demi effacée sur le rocher, j'ai pas plus difficile que d'aller atteindre l'élu. D'attendre l'élu. Hé, hey, capitaine, je crois pas qu'on puisse en tirer quelque chose. Comment? Maudit prêtre! J'ai fait tout ce chemin pour rien! Hé, hey, oh, du calme! Vous recevrez une belle récompense. Oh! Les ruines cachées, elles sont là. Incroyable. Vous avez que fait ça. Wow. On va être riches. C'est par là. En avant. Je crois bien que le trésor se trouve par là. Hé, hey, oh, attendez-moi! Pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? Nul! Des explosifs! Oh, j'ai déjà utilisé les plus puissants. Ah, il doit exister un appareil secret permettant d'ouvrir le temple quelque part. Trouvons-le ensemble. On dirait bien que la nouvelle a trouvé un passage. J'ai un mauvais pressentiment. Oh! Regardez! Oh! Un trésor! Attendez! Ne touchez pas au trésor! C'est moi qui commande ici! Poussez-vous! Arrêtez, bande d'idiots cupides! Regardez à l'extérieur! Du monde là. Bon sang, des démons! Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? Ah!
On va tous y passer. Au diable le contrat. Prenons tout ce qu'on peut. Non, ce n'est pas ce qui était convenu. C'est celui qui tient l'épée qui décide, gamin. Prenez la pierre, elle semble précieuse. Non, n'y touchez pas. Reculez. Non. Non, stop. C'est un piège. Non, aidez-moi. Merci. Vous n'avez pas intérêt à me laisser mourir. Reculez. Sa cupidité aurait pu vous tuer tous les deux. Reculez, je m'en occupe. Où mène cette route ? Y'a rien à looter ? Non. Eh bien, il n'y a plus que nous deux maintenant. Alors, quelle voie devrions-nous emprunter ? La lumière, hein. Vous allez bien ? Oh, vous êtes toujours en vie. Essayons de trouver un moyen de remonter, d'accord ? Il fait trop sombre ici. Je vois rien. Vous voyez quelque chose ? Attends, est-ce que je pourrais pas mettre plus fort ? Ah non, c'est Loki. Par ici, je l'ai trouvé. Prenez ceci et montez. Comment t'es arrivé là-haut, toi ? Voilà, je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qui se... Thank you.
Bravo. Quand la lumière du destin atteint la fin du monde. Le veilleur ailé montre la voie vers la lumière de la création. Quand le chaos des abysses ouvre les yeux à nouveau, tu suivras la fierté des lions au point de départ. Le destin t'appelle, ô élu. Ça va? Ouais, oui, ça va, ça va. J'ai fait que des mots, je sais. Wow, c'est pas très difficile, c'est pas vraiment, même pour un noob. Depuis tout ce temps, et c'est vous qui apportez la renaissance de la lumière. C'est ici voilà. Que nos chemins se séparent. Mais nous nous reverrons. J'en suis absolument convaincu. Alors, a remué un peu trop du popotin, c'est de... Un destin commun nous attend, vous et moi. Ben, on sait que tu te caches derrière. La fierté des lions. Va pour Fierbourg, alors. Cette voix me fait penser à un autre personnage, mais je ferais bien d'y aller. Inutile de faire attendre le destin. Ah oui, c'est FF14. Celui-là qui joue le... un des ennemis, là, principaux. Ok.
Vite, apogée. Attends, tant que ça valide tout ce que ça a validé, c'est bon. Jusqu'à une classe avancée. Inventaire. Un bicycle d'ingénieur. Une femme liée à l'expédition, non échangeable. C'est basique, hein, d'accord. Par contre, j'ai des coffres, mais. Compense pour le refait premier pas. Fragment d'améthyste. Je contre le beau cadeau auprès de l'échangeur de fragments. Expédition quantité possédée 500. Par contre là j'ai des. Ah, c'est les drop twitch je pense. Ah ouais, Arkésia, pas peur, ouais, c'est Twitch. Là aussi. Cristalline aura pendant 5 jours. Ah oui, c'est ça le truc d'ingénieur au-dessus de la tête. Donc faut que je choisisse un des. Mario. Avant inventaire des familiers, fait d'expédition de forteresse, spécialité ténèbres. Spécialisation de difficulté ténèbres. Là c'est vent. Flamme. Glace. Je pense qu'il est. Il est là, Mario. Attends, TRL. Menu des familiers, c'est TRL. Caractéristique, récupération hauteur, effet. Entraînement, vitalité augmente les PV max de 5% et. Et dégâts critiques de 10%, ouais, pourquoi pas. Non, on peut changer son nom. Ouais. Ok. Alors, est-ce que les autres, on les récupère tout de suite ou pas? Je peux en mettre 50, mais. Je vais toucher un contre de beaux cadeaux auprès de l'échangeur de fragments. L'heure, d'accord. Je pense que je vais en rester là. Capacité, je sais même pas, je suis niveau 1. Voilà, déjà il y avait un.
Granny H, niveau 1, c'est-à-dire niveau 1 là. Là, je vois qu'il y a 3 trucs. 3 niveaux. Voilà, classe 1 au niveau de compétences 4. Ah, peut-être quand je ferai 4, je pourrais débloquer là, c'est ça? Ah non, ça m'explique. Ah oui, ça m'explique déjà toutes les armes qu'on peut avoir en fait. Attends. Ah non, ça c'est tous les objets en fait. Je pensais que c'était les. Genre les capacités, tout machin qui t'expliquait. D'accord, donc ça c'est les trucs des objets en fait. Codex d'objets, mais pas codex genre guide, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. D'entraînement. Ah, je suis déjà niveau. Ah oui, je suis déjà niveau 10 en fait. Building, forteresse, équipement spécial. Alors j'ai apparence. Votre capacité à résoudre des problèmes difficiles. Plus votre sagesse est élevée, plus vos paroles et vos actions seront convaincantes. Bravo et votre flegme, avec un courage élevé, vous pouvez garder votre sang-froid et même votre budget. Hein? Ouais, faut les augmenter quoi. Ça dans le prochain live. Eh ben sur ce, je remercie les personnes qui seraient passées à direct ou en replay. Merci Soldé de passer. Et sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain live en espérant qu'on arrive à se connecter plus rapidement. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.
cards lay out astray. All from your command. That's the way it is. That's the way it is.